Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as un collier que je t'ai posé l'autre jour? Ouais. Mais attends, il faut juste que je démêle un peu et je te le donne. Ouais, d'accord, je vois. Mais non, mais ça va, il faut juste que je démêle, c'est pas... Ah, la galère des colliers, là, tout emmêlé dans les boîtes, ça me saoule. Bon, heureusement, j'ai une astuce pour ça. Je vais te montrer. Regarde. Tu prends un range couvert que tu as acheté dans un supermarché classique, hein, grande surface, voilà. Mais choisis-le plutôt en bois, ce sera plus costaud. Regarde ce qu'on a fait, parce qu'on est malin ici. On a fait déjà des petits trous et en fait, on y a installé des crochets. Pareil, crochets que tu achètes en boutique de déco-bréco tout classique. Tu prends ton range couvert, ton petit crochet, et en fait, regarde, tu vises tout simplement ton crochet au petit trou que tu as préalablement percé. Hop, et voilà. Je remontre. Bien, hop, tu visses comme cela. Et une fois que ces petits crochets sont installés, regarde ce que tu fais, c'est merveilleux. Tu prends tes colliers. Hop. Bon, ceux-là sont un petit peu longs, mais ils sont très beaux. Que tu installes à chaque compartiment comme ça de ton range couvert. Et ça te donne un range bijoux absolument extraordinaire, vintage et hyper pratique. Et en plus, ce qui est très chouette niveau gain de place, c'est que tu peux l'accrocher directement, par exemple, dans la porte de ton armoire ou sur le mur de ta chambre. Pas mal, non? Et voilà, un magnifique porte-bijoux réalisé en quelques instants. Trop forte! Cette astuce déco-bréco t'a plu? Tu connais le réflexe, si tu en veux plein d'autres, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube Minute Déco et tu verras des vidéos, j'en ai plein. Et vu que j'ai un petit peu de l'or dans les mains, j'ai même réalisé un porte-foulard extrêmement original. Tu as envie de voir? Va cliquer sur la vidéo. Puis en attendant, moi je te donne rendez-vous très très vite sur Minute Déco bien sûr.